Salut à tous, c'est Milou Kimiko, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je m'excuse pour mes cernes et tout. C'est pas beau, mais bon, j'ai passé un week-end d'enfer. Du coup, disons que j'ai des cernes et tout, avec Japan Expo, etc. Ça m'a grave fatigué. Enfin bref, on passe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait de haul et il y en a qui vont arriver très vite. Donc aujourd'hui je voulais faire un haul pour la boutique Bohème, donc une boutique très sympathique, super gentille. Donc ils m'ont déjà dans un premier temps envoyé un t-shirt avec des hamburgers, si vous vous souvenez de mes photos sur Instagram, etc. En voilà une ici, une photo pour vous donner un petit exemple. Ils m'ont recontacté et m'ont proposé de m'envoyer 3 t-shirts et de les présenter en vidéo. Donc forcément j'ai accepté parce que je veux pas refuser ce genre de choses. Ils sont tellement sympas avec moi, moi je peux que leur faire de la pub. Donc ils m'ont envoyé le paquet, je l'ai reçu en peu de temps. Ça a été très très vite, malheureusement j'ai pas pu filmer avant parce que... Disons que le paquet était chez mes parents, du coup j'ai pas pu filmer avant parce que... Je suis rentrée trop tard. Et vu que le week-end d'après, le week-end c'était Japan Expo, j'ai pas pu filmer. Donc alors, dans un premier temps, j'ai reçu dans un paquet comme ça, donc tout noir avec l'étiquette Bohème. Donc je l'ai coupé, j'ai regardé parce que je voulais montrer à ma mère comment les t-shirts étaient. Tout simplement. Je savais à quoi ils allaient ressembler, donc c'est bon. Donc salut-toi avec des petites cornes et tout. Et derrière, ils m'ont marqué « Chère Amandine », voilà, ils marquent mon prénom. Et voilà, un petit message de Bohème. Moi, ces trucs-là, je les garde et après, je les trouve mieux. C'est comme ça. Voilà, c'est pas beau ça? Donc, alors, dans ce paquet-ci, nous avons donc 3 t-shirts que, il y en a un, je l'ai semi-choisi et les autres, c'est eux qui me les ont envoyés, qui ont dit que ça allait bien aller, etc. Donc, forcément, vous allez reconnaître un t-shirt si vous êtes abonné à la chaîne de la fille en question. Donc, alors. Dans un premier temps, je voudrais vous montrer le t-shirt Milk que j'adore. C'est comme ils m'ont dit, c'est le jumeau du t-shirt hamburger, mais sauf qu'il y a des petits Milk et il est super mignon, en fait, il est trop joli. Donc il y a des petits Milk comme ça et il est trop beau. Et franchement, la taille, j'adore parce que normalement, je me bataille un peu avec les tailles parce que moi j'aime bien quand c'est large comme ça. Vous voyez ça là, c'est trop serré ça. Mais sinon, j'aime beaucoup quand c'est large, quand ça colle pas le corps, j'aime pas quand ça colle au corps. Donc c'est pour ça que je leur ai posé la question avant si c'était un truc S. Mais non, ça va, en fait le t-shirt burger il était super et là le t-shirt milk il m'a l'air génial. Donc je vais l'essayer tout de suite, c'est parti mon kiki. Donc voilà le t-shirt milk, donc voilà il est très, il est bien. Donc là voilà, il y a une... Oui j'ai mis un débardeur en dessous. Donc... Voilà, il est super bien. Il est super, il est large. J'adore. Franchement, je l'adore. Lui, je pense que je vais le mettre souvent. Je ferai de toute façon des photos pour leur boutique, hein, ça c'est sûr. Voilà, voilà. Donc celui-là, Bohème, je le kiffe de ouf. C'est un truc de dingue. Je suis limite love to love de ce t-shirt. Enfin, c'est un truc de malade. Ensuite, je vais vous présenter le deuxième t-shirt. Donc c'est celui-ci, c'est le Bubblegum, si je me trompe pas. Donc le Bubblegum t-shirt. Donc voilà, c'est ça. Je le trouve original, mais moi tout ce qui est original, je le porte quand même, donc voilà. Mais en fait, ce que je trouve quand même bizarre, je me permets, c'est que sur le t-shirt de la personne en question, donc Ayo Coralie, le cadrage était beaucoup plus gros, j'ai l'impression. Et du coup voilà, c'est ça qui m'a un peu interpellée, mais surtout en fait sinon je m'en fous et c'est super. Donc c'est original, c'est joli, moi j'aime bien. Il m'a l'air très 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 large, donc c'est ça qui est cool. Moi j'aime bien quand c'est large, quand il y a de la place, quand on peut en mettre 10 dedans, c'est génial. Donc voilà. Donc on va l'essayer tout de suite, c'est parti. Voilà pour le t-shirt Bubblegum, donc voilà. Donc voilà, il est quand même... très long, c'est large, il y a de la surface, c'est cool, il est joli, j'aime bien le carré. Mais en fait, ça se trouve, c'était une impression au niveau du carré, parce que là, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus gros.
Enfin, je sais pas, ça doit être dans ma tête que ça tourne mal en fait. Donc voilà, franchement, celui-là, Bohème, je l'aime beaucoup aussi. Même si au début j'étais un peu sceptique de l'avoir, mais en fait, bah, tout va bien et je le kiffe. Et franchement, je ferai des photos avec ce t-shirt sur Insta et tout. Et ensuite, le dernier t-shirt que j'ai reçu, c'est un t-shirt qu'ils avaient en édition limitée. Il me semble ce qu'ils m'ont dit, je crois. Je vais quand même vérifier. Il y a marqué, ils m'ont envoyé le docteur Bohème, n'est pas encore sur le site, il va sortir en quantité très limitée, donc c'est pour ça que moi bah, ils m'ont envoyé. Donc c'est docteur Bohème et celui-là mon chéri il l'aime bien, il l'a vu. Il a dit qu'il était mignon et tout. Donc voilà, c'est un petit Mario qui est en médecin et il lance une pilule Bohème. Donc voilà, docteur Bohème. Franchement celui-là je crois que je vais bien l'aimer. En plus vous savez sur voilà, on voit bien que c'est à leur site, on voit bien que c'est voilà, c'est leur site. Donc c'est cool. Comme ça quand je sortirai dans la rue, je ferai de la pub pour leur site et tout. Et là vous avez un aperçu de moi avec. C'est génial. Mais voilà. Sinon bah moi je le trouve très joli. Et au début j'étais un peu sceptique aussi comme le bubblegum. Mais en fait plus je le vois, plus je me dis qu'en fait il me plaît. Tout va bien. Tandis que Nini, elle valide. Elle valide. Oh, on valide, on valide, on valide, on valide. Donc du coup je vais essayer Dr Bohème et je vais vous dire comment. Mais je pense que ça va être pareil que le bubblegum, il va être assez étiré, large et c'est cool. Donc voilà, il est assez large bah, comme l'autre et bah voilà ce que ça donne. C'est cool, on sent bien dedans, mais j'ai l'impression que l'autre il est plus large, c'est une impression. Mais je le trouve super bien, je suis bien dedans, voilà. À part que j'ai un débardeur en dessous, du coup j'ai un petit peu chaud. Mais sinon voilà, je le mettrai souvent et je ferai des photos pour votre site sur Instagram, je vous les enverrai, etc. Vous pouvez aller voir sur le site de Bohème, donc je mettrai le lien en barre d'infos et je mettrai leur logo au-dessus de la vidéo, donc là il doit y être. Quelque part. Donc bien sûr vous pouvez avoir une gentille petite réduction de 10% sur vos achats, donc avec le code MELODIS que je mets là ou quelque part. Donc avec le code MELODIS vous avez 10%. Donc voilà, c'est cool, moi je trouve ça sympathique de leur part de faire ça et au moins ça arrange tout le monde, ça fait plaisir à tout le monde, voilà, voilà. Donc, et bien sur ce, merci beaucoup aussi Bohème de m'avoir envoyé les t-shirts. Trop bien, et je les kiffe de ouf, et je vais les mettre bah, comme le t-shirt burger à peu près tout le temps. Sur ce, bah, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et n'hésite pas à laisser le petit like qui fait plaisir, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous.